Notre grand bonheur, nos deux amis sont là toujours à nous et nous le souhaitons longtemps encore, comblés de l'affection et la présence de Francine et Freddy, d'Arno et Sarah, de Mathéo et Raphaël. Avec vous, chers Jacqueline et Roger, nous rendons grâce pour ces 70 années remplies de travail, de dévouement et d'amour. Et c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons parmi nous votre curé, M. Larichepoux, qui vient célébrer avec nous avant de se rendre tout à l'heure à l'église de Saint-Grasenbourg pour la messe dominicale. Nous préparons nos cœurs à écouter la parole de Dieu et à partager le repas de Jésus en accueillant le pain du Seigneur. Merci, chers Jacqueline et Roger, d'être pour nous des témoins vivants de la fidélité. À des jeunes qui se demandent parfois si l'on peut encore s'engager aujourd'hui pour un amour qui dure toute une vie, à des gens qui ont du mal à s'entendre, vous pouvez dire, à la lumière de votre longue et belle expérience, que le véritable amour, cela existe, mais qu'il doit se bâtir jour après jour, à travers des réussites et des échecs, des joies et des peines. Ces 70 années vécues n'ont pas été sans vous marquer, sans vous modeler d'une façon profonde. L'amour dont vous viviez, dont vous rêviez au temps de vos fiançailles, n'a fait au fil des années se purifier au contact des joies et des épreuves. Il s'est transfiguré, il s'est enrichi et affiné. Mais, mes chers amis, nos félicitations manqueraient d'authenticité si nous devions oublier d'y associer Dieu en lui rendant grâce. De la même façon dont vous avez déposé votre oui entre ses mains, il y a 70 ans, de même aujourd'hui, vous venez de me dire merci. Merci à Dieu qui est source de tout amour. Ce que la Bible nous révèle, ce n'est pas d'abord que nous devons aimer Dieu et notre prochain, comme nous le pensons trop souvent. Non, la bonne nouvelle, c'est d'abord que Dieu nous aime, qu'il nous porte dans son cœur de paix. Nous sommes aimés de Dieu et il nous invite à aimer à notre tour. C'est la grandeur du monde que d'essayer d'être sur cette terre le signe de l'amour de Dieu. Le couple a pour belle mission de révéler sur la terre des hommes quelque chose du Dieu amour. Et c'est dans la durée qu'un couple se crée. Il n'a jamais fini de grandir. Il progresse en surmontant ses crises et ses épreuves. Et ainsi, lentement, la maison se construit. Nous savons qu'on ne construit pas une maison sur du sable, comme Jésus vient de nous le dire. Cette page de l'Évangile se situe à la suite des béatitudes, où Jésus nous indique le chemin du bonheur. Non pas ces petits bonheurs fugitifs et passagers qui sont bien agréables et qui nous aident à vivre. La raison du vrai bonheur pour Jésus a comme fondation l'amour vrai et fidèle. En jetant un regard sur votre passé, ces 70 années d'amour et de fidélité, vous pourrez dire, cher Jacqueline et Roger, que l'amour vrai patient, généreux, désintéressé, qu'il ne s'emporte pas, qu'il espère tout, que l'amour ne passera jamais. C'est en communion avec tous ces couples qui, à travers le monde, fêtent un grand anniversaire de mariage que nous proclamons la foi de notre baptême.
Lorsque j'ai discuté avec Sarah, ma compagne, du témoignage que j'allais faire pour ce jour si exceptionnel, en l'honneur de mes grands-parents, je lui ai dit « je vais l'axer sur le thème de l'amour ». Elle m'a répondu « tu n'y es pas du tout, c'est bien au-delà de cela ». J'ai tout de suite su qu'elle avait parfaitement raison, et que ce qui unit Jacqueline et Roger depuis 70 ans ne peut se réduire à de l'amour, qui est bien trop faible et réducteur pour le nous. Ce qui les unit, c'est l'évidence, l'air qui fait respirer, le sang qui nourrit. C'est une vie tout entière, mais c'est surtout la vie, dans toute sa plénitude. Il ne faut pas simplement s'aider pour vivre chaque jour ensemble durant 70 ans. Il faut se comprendre, se respecter, s'admirer, se pardonner, s'enthousiasmer, se questionner et évoluer. Tout cela dans la même direction, sans se perdre soi-même, ni perdre l'autre. On comprend à cette évocation l'ampleur de la tâche, la difficulté du parcours et l'espoir infime d'y parvenir. Et pourtant, c'est ce qui caractérise l'union de Jacqueline et Roger, à chaque instant, que ce soit l'un envers l'autre, ou leur unité envers les autres. Entre eux, je n'ai jamais vu autre chose que tendresse, complicité, soutien, admiration et bienveillance. Ils m'ont appris ce qu'est vraiment un couple, en ce qui doit être avec tout cela que se comporte de compréhension, de compromission et aussi de non-concession. Ils m'ont permis de faire preuve d'exigence dans ce que je recherchais dans l'être aimé et dans ma relation avec. Je peux vous assurer que cela n'est pas vain, et que ça vaut vraiment. Avec les autres, la famille, les amis, et toutes les personnes qu'ils ont rencontrées, ils ne sont que gentillesse et générosité. Ce n'est pas pour eux une manière de vivre, c'est leur être tout entier. Leur implication, leur dévouement aux côtés de leurs proches et au soutien de ceux qui en ont besoin, des plus démunis, sont sans bord. J'ai appris tout au long de mon enfance qu'une chaise soit laissée vide à table au moment du repas pour accueillir celui qui a faim, à donner son manteau à celui qui a froid et à écouter et soutenir celui qui est seul. Ils sont l'incarnation même des valeurs de l'Église et constituent à ce titre, pour moi et pour beaucoup, une icône. Je vais vous faire confiance. Je ne connais pas et je n'ai jamais relu le véritable âge de mes grands-parents. Non pas parce qu'ils me l'ont caché, ils n'en ont pas du tout honte, et en sont même plutôt fiers, mais le chiffre ne s'est jamais imprimé dans mon cerveau. Pour moi, papy et mamie ont, et auront toujours, 60 ans. Ils sont immortels et en quelque sorte hors du temps réel. Ils sont surtout des personnes honorables et dignes qui me remplissent de fierté. C'est pour toutes ces raisons que je suis bien sûr ému, mais surtout profondément heureux de livrer aujourd'hui ce témoignage au nom de notre famille, de Francine, de Freddy, de Sarah et ses parents, Mathéo, Raphaël, Joseph et Jean-Marc. Ce n'est pas qu'on soit avare d'exprimer nos émotions et nos sentiments de notre famille, mais on ne dit jamais assez combien les personnes que l'on aime sont importantes pour nous, qui nous ont façonnés et nous sont si précieux. C'est ce que je souhaitais faire aujourd'hui en votre nom,
pour moi. Merci infiniment pour ce que vous êtes. C'est ça. En tout cas, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue dans la commune de Davos. Mais, en l'occurrence, on est à Hasselbourg. Le maire de Hasselbourg, je l'ai vu aussi tout à l'heure. Mais ce n'était pas grave, puisqu'on a tellement de succès dans nos salles. On en a deux et ils sont tout le temps remplis, mais rassurez-vous, moi je n'en ferai plus une troisième. Ça c'est clair. En tout cas, nous sommes là aujourd'hui pour fêter l'heureux événement de Jacqueline et de Roger. Jacqueline et Roger, 70 ans de vie en couple. Et je me rappelle quand on l'avait nommé à toi honoraire,
je lui avais dit que jamais dans le couple, un mot n'entra rien. Après, Roger, il m'a pris un peu de côté, il m'a dit, là, tu as peut-être été un peu trop loin, parce que je me rappelle une ou deux fois, on en a eu déjà la dispute, mais professionnel, donc c'est pardonnable. Hein, pardonnable. Je pense que ce n'est pas toujours facile de travailler à deux dans la même entreprise, et puis qui c'est qui est le chef? C'est surtout ça. Je crois le savoir. En tout cas, Roger a été élu au conseil municipal en 77, en mars 77, avec moi. Et nous avons travaillé ensemble jusqu'en 95, 18 ans. C'est pour ça que là je suis honoraire. Moi aussi, j'étais adjoint à l'époque. J'étais 18 ans adjoint, comme toi. Et puis après, ne sachant que faire pendant ma retraite, j'ai pris le poste de maire. Vous savez, c'est un poste unique. Un village, les gens, d'un commun accord, soutiennent toujours le maire, quand il n'est pas là. Hein? Mais autrement, c'est un peu différent. Chaque village a un peu son entité. Et comme disait mon épouse, des fois quand on passe à Everde, c'est quand même le plus beau village de la commune. Après Labo. Mais nous avons travaillé bien ensemble. Des fois, il y a eu des heures comme partout, mais ça s'est toujours arrangé. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, puisque la jeunesse d'aujourd'hui n'est plus aussi maniable que nous l'étions à l'époque, c'est clair. Mais en tout cas, Roger, encore une fois, merci pour le bon travail que nous avons fait ensemble. Et naturellement, tu as toujours été très soutenu par Jacqueline. Je crois qu'une épouse comme ça, si j'ai encore la même à 90 ans, ben, je ne pourrais être que heureux. Hein? En tout cas, ça va peut-être être dur. Ah, mais bon. Mon adjointe qui est là aussi, que vous connaissez, hein, Madame Flamand, qui est l'adjointe. Aujourd'hui, on a plus d'adjointe spécifique à un village.